Bonsoir, directeur. Nous sommes à Boston en ce moment et vous êtes Monsieur Blaise Chicharro. Est-ce que vous pouvez nous vous présenter? Oui, merci, James. Je suis Blaise Chicharro. Je suis le directeur du Fonds d'aide à la culture. Je suis ici à Boston dans le cadre de l'accompagnement des artistes pour les différentes activités qu'ils mènent. En l'occurrence, le groupe Jomion, qui est aux États-Unis et qui doit dispenser des cours de notre musique, de notre musique locale, des cours de notre culture à l'Université de Harvard. Alors, vous avez suivi aujourd'hui le premier masterclass qu'a donné le groupe Jomion. Quelles sont vos impressions? Je suis ému. Je suis très ému. Et je me dis tout simplement que ce sont des ambassadeurs qui sont en train de vendre le Bénin. Ils sont en train de relayer le tourisme béninois. Ils sont en train de relayer la culture béninoise. C'est une très bonne chose. J'ai vu des professeurs de musique concentrés à suivre religieusement le cours que donnait mon frère Jomion. Je suis content. Alors, tout le monde est très très content de la décision de votre département et de faire personnellement le déplacement pour venir supporter le groupe. Est-ce que c'est une nouvelle dynamique au niveau de votre ministère? Oui, c'est une nouvelle dynamique. Vous savez, je ne suis pas venu ici de mon propre chef. C'est d'abord parce que le ministre de la Culture l'a voulu, parce que le chef de l'État, le docteur Yahya Bonny, l'a voulu. Alors, c'est une nouvelle dynamique. J'ai vu tout de suite l'opportunité que peut présenter la venue d'un cadre, d'un directeur du lycée de la culture ici aux États-Unis pour nouer pourquoi pas des partenariats. Ce qui est en train d'être fait avec le groupe Jomion, c'est fait avec d'autres groupes. C'est dans cette optique que je suis venu ici. Je vais continuer de discuter avec des responsables, je vais continuer de discuter avec des organisateurs de festivals pour donner la chance aussi à d'autres artistes. Pourquoi pas de pouvoir sortir du pays, défendre autrement les couleurs du pays. C'est très gentil, Monsieur Blaise Chicharro. Je rappelle que vous êtes le directeur du Fonds d'aide à la culture et apparemment vous passez de très bons moments ici aux États-Unis, suivant vos artistes, vos musiciens. Et demain, nous serons au grand concert qui aura lieu à 20h. Et c'est sûr que nous allons encore recueillir vos impressions et on saura et qu'est-ce qui se passe exactement. Je serai là. Merci beaucoup. Et à bientôt.